Il était une fois un petit village de Normandie appelé le Béni-Bocage. La vie y était douce, les habitants amicaux et les enfants sages comme des images. Sages? Pas si sûrs. En apparence, ils étaient comme les autres. Ou presque. Mais le mardi, dès la tombée du jour, après le goûter, du plus petit au plus grand, tous disparaissaient mystérieusement. Ils se retrouvaient dans un lieu tenu secret, une grotte sombre et froide. Et là, il se métamorphosait. Sous la direction d'une étrange magicienne aux longs cheveux, une intense activité régnait soudain. On balayait. On décorait. On repassait. On costumait. On maquillait. Viser. On se concentrait. On jouait de la flûte. On chantait. On éclairait. On enregistrait. On photographiait. On filmait. On clapait. On comptait les jours. Et c'est alors que la poésie naissait. À jeter ses filets dans la mer, y a pêché une chimère. Ne sera jamais plus solitaire.